Salut tout le monde, c'est Nicotine225, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay commenté sur Black Ops 2. On est sur la map Carrier en domination. Ah, je déconne, c'est bon. Ah, je vous voyais venir vous plaindre, hein. Oh putain, encore de la domination, encore de la domination, et en plus sur la même map que la dernière fois, non. Oui, non, là, je déconne bien. Et on se retrouve dans le mode zombie de Black Ops 2, pour faire un petit zombie simplement pour Noël. D'ailleurs, joyeuse fête au passage, hein, même si je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, je vous le redis le jour même. Et donc, on est parti pour un bon petit zombie sur Green Run. Alors, on va partir de la station, donc là, on peut prendre le bus dans un mode transit. Et on est parti. Alors, je sais pas quoi dire en fait. Donc, commentant en live, donc désolé si je dis pas beaucoup de choses, mais commentant en live, vous savez bien, hein, que c'est beaucoup moins facile. Allez. Putain, je déteste quand il meurt comme ça. Hop, voilà. Allez, on construit la turbine rapidement. Mais vraiment rapidement. Hop, hop. Voilà. Allez. Hop. Désolé, alors oui, voilà ce que je voulais dire. Désolé au niveau secret et tout ça. Il n'y aura pas grand chose dans cette map. Dans cette vidéo, excusez-moi. C'est juste que j'y connais rien, hein. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, niveau secret, je les connais, mais j'arrive jamais à les exécuter à chaque fois, donc désolé, ça sera pas pour cette vidéo, les secrets. Donc désolé, allez voir quelqu'un d'autre pour ça, ou alors je ferai ça un peu plus tard, quand je saurai comment on les fait bien. Allez, bon, ça va, j'ai pas mal d'argent, là. Qu'est-ce que je voulais faire, bordel? Allez, où la turbine? Oh, excusez-moi, c'est le soir. Il est, je ne sais plus à quelle heure, et je m'en fous. Un crâne, j'arrive pas à la prendre, voilà, et elle s'épuise ouais, au fur et à mesure. Ça c'est l'échec si je me trompe pas. Allez, on est parti, c'est déjà fini la première manche. Bon, allez, on y va dans le bus, on va monter ce composant. C'est très rare que je l'ai, hein. Même si je l'ai eu là, dans la partie que j'ai fait juste avant, enfin juste avant dans l'après-midi, parce que comme je vous l'ai dit, je tourne cette vidéo le soir. Ah oui, c'est assez rare quand même que je gagne. Ah bah il part déjà lui. Et donc c'est assez rare que j'ai cette pièce. Et donc voilà. Et d'ailleurs j'ai bien tenu là dans cet après-midi, j'ai fait une quinzaine de manches, donc c'est pas trop mal. Une quinzaine, je réarticule bien. Donc c'est pas trop mal, donc il n'y a pas de raison qu'on faille maintenant. Allez. Je vais le tuer maintenant parce qu'il va me saouler. Il faut que j'apprenne à ne pas viser. Voilà. Faut que j'apprenne à les tuer sans viser. Parce que c'est vraiment assez compliqué. Enfin, c'est vraiment plus simple que je veux dire de faire ça sans viser. Plutôt que de perdre son temps à viser en même temps. Bon. J'adore comment il court. Enfin bref. Donc, on va prendre le bus. J'ai l'habitude, là, au prochain arrêt, j'ai l'habitude d'y rester pour survivre jusqu'à ce qu'il revienne une deuxième fois le bus. Pardon, et oui, vous m'excuserez si jamais j'ai un petit peu mal à la gorge. Ouais, donc j'ai l'habitude de rester survivre un petit peu là-bas. Parce qu'il y a la boîte là-bas, tout simplement. Toujours. Attendez, je faut pas que je les laisse rentrer quand même. Oui. Oh, je l'ai eu. Quand tu veux, un peu recharger. Voilà. Allez. Nous voici à je ne sais pas quoi. Je sais pas du tout, je sais plus du tout comment ce lieu s'appelle. C'est pas un problème. Allez, il faut que je me fasse du pognon. Parce que là j'ai vraiment pas assez ni pour ouvrir la. Enfin j'ai assez pour ouvrir la porte ni pas pour tester une boîte. Hop. Oui, c'est ça. Attends, on a encore des munitions, c'est bon. Hein. On est tombé sur la voie de tapette, j'ai l'impression. Oui, j'appelle ça la voie de tapette. Oui, les... Comment ça se fait que lui a survécu? Enfin, bref. Allez. Voilà. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ils sont là. C'est quoi? x2?
On va prendre bien notre temps. Hop, voilà. Toujours pas assez pour tester la boîte, évidemment. Évidemment. Bon, c'est pas très grave. Allez. Il faut pas que je déconne. Parce que des fois, je suis mort comme des cons, comme un con. Pourquoi je dis comme des... comme un con? Ah, le x2 qui sert à rien, quoi. J'aurais dû prendre après, je suis con. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va bien s'en passer, hein, du x2. Ah! C'est vrai que maintenant, il rend x2. Ou pas. Non, j'ai dû lui tirer dans la tête, allez. Voilà. Permet d'économiser un petit peu les balles. Hop. Oh putain, oh, j'ai eu chaud. J'avais pas vu. Ok, vraiment un tir de merde. Allez, allez. Quand ce sera le dernier zombie, je laisserai un petit... je laisserai pas en rampant d'ailleurs. Non! Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais rien dire. Hein. Je vais rien dire. La bombe, c'était vraiment pas nécessaire. Bon, allez, une bonne arme pour changer. Là. Shincom, ça va, c'est pas trop mal. Est-ce que vous savez tous que j'ai jamais de chance avec la boîte? Ouais. Oh, deux bonnes armes, là, ça va. Bah oui, là, je peux même me permettre d'y aller. Hop. Oui, donc vous savez que j'ai jamais vraiment de chance. Oh non, allez, tiens. Limite, je vais rester. Ouais, ouais, je vais rester. Ouais, donc, bah, si vous le savez pas, je vous le dis, j'ai jamais de chance avec la boîte. Je tombe que sur des armes de merde. En général. Mais bon. A priori, la vidéo m'a porté chance. Mais non, mais pourquoi je recharge maintenant? Voilà. La Shincom, sans déconner, moi je gagne bien. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. La Shincom, je crois que c'est ça. On va aller voir ça. Shincom, pas Shincom. Hop. Ouais, sans déconner, moi je gagne bien. Il est pas mal. Je vais économiser un peu. Je vais m'y mettre au snipe. Ah, vous voyez ce que ça donne au snipe, hein? Alors, je suis trop nul au snipe. Je suis nul au snipe, mais c'est pas grave. Si je vise lentement, j'y arrive. Hop. Putain, je rêve. Alors, des fois, j'arrive bien à les faire, les quad fibles. Et des fois, bah, j'y arrive pas du tout. Bien. Bien raté, le tir dans la tête, je dois dire. Voilà. Hop. Alors, le dernier. x2 qui tombe vraiment bien. Ça tombe jamais bien, les bonus. Alors, il faudra vraiment corriger ça, mais c'est pas grave. Ah putain, mais c'est pas grave. Et bon, écoutez, deux phrases que je devrais absolument bannir définitivement des vidéos. Parce que je sais très bien que ça va me saouler. Que ça va me saouler, que ça va vous saouler, vous aussi. Mes armes, autant les recharger. Ouais, bah écoutez, là, je suis bien parti. Contrairement à certaines parties, là. Ou pas. Allez, Nicolas, déconne pas. Ouais. Allez, il faut que je les mette, ces quad figues. Les quad figues, pour ceux qui savent pas, c'est en tuer pendant qu'ils sont alignés. Mettez une bague et hop, vous en tuez 3 d'affilée comme j'ai failli faire là. Voilà. Pas que je reste trop stationnaire non plus. Ah merde, j'ai plus de... N'empêche, ça part vite les balles de snipe. Hein. Hop. Alors vous voyez, j'ai eu le premier et le dernier, mais pas celui du milieu. En toute logique, évidemment. Hein. C'est vraiment la logique de la physique des dernières années. Hein. Ou plutôt de Call of, la logique de Call of Duty directement. Hop. Sans déconner, je me bagade. Oh putain, j'ai failli fail comme un con. Là, ils sont où? Ah oui, d'accord. La pose du zombie. Attendez, regardez-moi ça. Ok. Tranquille, le zombie, voilà. Tranquille, tranquille. Bon, bah écoutez. Faut pas chercher à comprendre, ce sont les bugs.
Testons une boîte en tant qu'affaire. Hop. Allez, une bonne. Les fusils à pompe. Les fusils à pompe. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Allez. Voilà. Charpentise. Ah, il faut pas que je déconne, il faut faire des tirs dans la tête avec ces armes. Voilà. Oh putain, j'avais oublié que eux ils poussent dans la terre et non pas dans les choux. Ah, elle est puissante cette arme. C'est pour ça que j'aime bien. Elle est plutôt puissante. Hop. Hop là, désolé, mon écran s'éteint. Alors désolé de temps en temps parce que j'ai des petits soucis logistiques en ce moment. Bah mon écran en fait il s'éteint de temps en temps. Donc ça arrive en pleine partie de zombies. Cac. Extinction totale de tous les feux. Non, ça se dit pas ce que je viens de dire. Extinction de, des feux. Donc ce qui fait que voilà, donc de temps en temps si je mets en pause, bah ne vous étonnez pas. Hein. C'est juste que c'est mon écran qui s'éteint et ça me gonfle. Il commence à dater un petit peu mon écran, hein. Il date de 2007. Non, c'est pas un vieux, un vieil écran cathodique. C'est un écran tout à fait normal. Hop. Voilà. Ça va assez vite les munitions par contre. Allez, allez, on a le temps avant que les autres débarquent. Hein. Ok, des grenades comme ça, je n'en prends pas d'ailleurs. Ceux qui savent, hein, à quoi ça sert ces grenades? Si vous le savez, hein. Si vous savez, parce que moi j'ai jamais su à quoi ça servait ces grenades. Donc si quelqu'un pouvait me répondre, ça serait vachement sympa. Le DSR, ok. Je le trouve un petit peu moins bien que le Barrette parce qu'il a moins de munitions. Il y a une balle en moins. C'est moyen, mais bon. Je vais peut-être utiliser ma Shimcom. J'ai rien dit. Voilà. Ah, le sniper, j'adore ça. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas très très bon au snipe. C'est hyper bien foutu pour mettre des quad fils. Allez, tu recharges rapidement sans te faire buter. Voilà, il faudra que je m'achète passe-passe, mais il faut allumer le courant pour acheter ce putain de mastodonte aussi. Ça n'a aucun rapport avec passe-passe, hein, je vous l'accorde. Il faut allumer le courant. Et je sais pas faire. Puisque j'ai deux pièces sur trois en fait pour allumer le courant. Et je sais pas où est la troisième et j'ai jamais envie de chercher. En fait, j'ai plutôt envie de survivre. Parce que le mode zombie c'est fait pour ça à la base. Bien. Voilà. Faut pas que je sors parce que j'ai pas envie d'avoir affaire aux petites bestioles. Hop là. Oui, mune max. Oui, bombe et il y avait quoi? J'ai même pas vu. Un crâne, ouais, voilà, je l'ai pris en même temps en fait. Écoutez, sérieusement, attendez, je vais quand même retester pour voir au cas où je tomberai sur une meilleure arme, mais franchement là, j'ai ce qu'il faut. Un autre sniper, bah le Barrette, tiens, allez. Impeccable, impeccable. Juste, permettez 2 secondes, ouais. Ça fait un peu moins de 15 minutes que la vidéo a commencé. Ouais, non, 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 elle meurt pas comme un con, là. Ouais, attendez, attendez, je suis dans la merde. Ah, mais je rêve ou c'est qu'un hitmarker, ce zombie? Même si je sais que ce n'est pas possible. Bah, attendez, je suis dans la merde. Mais vraiment dans la merde, là. Voilà. Attendez, faut pas que je déconne. Il commence à être un peu nombreux, là. Oh putain, vous avez vu comment j'assure trop. Non, 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 ouais.
pousse pas contre moi. J'ai pas compris ce qu'il a fait le busque hein, en fait. C'est pas grave. Couchez, sale bête. Attendez. J'ai horreur des interactions personnelles. Hop. Oh, les munes. Voilà, écoutez, faut que je parte après. Hein. Ou alors faut que j'ai une meilleure arme, mais là je peux pas rester dans ce. Là, ça va commencer à être un petit peu difficile. Donc il faut que je parte après. Ou alors il faut que je me trouve, je vous dis, une meilleure munition. Une meilleure munition, une meilleure arme, je voulais dire. Excusez-moi. Petit lapsus. Même gros lapsus. Les x2 qui tombent toujours très bien, n'est-ce pas? Allez, tu me testes ça rapidement. Allez, une bonne. Allez. Putain. Allez, teste ça rapidement, dépêche. Allez, tu... Allez, rapide, rapide. Allez. Un autre sniper. Bon, pourquoi pas. Hein. N'empêche, je remarque quelque chose, là, le DSR est légèrement plus puissant que le... Oh putain. Il est légèrement plus puissant que le truc, hein. Que le barrette. Vous avez vu? Oui, oui, une bombe, une bombe. Ouf. Je pouvais pas tomber mieux, là. Le ça pouvait pas tomber mieux, excusez-moi. Ah, quand même. Ah, Gary. C'est l'occasion. Non, putain. Nya, 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 nya. Eh, t'es baisé, là, hein. Oui, d'accord. C'est moi qui vais être baisé dans pas longtemps. Voilà. Alors, elle est où, la boîte? Je sais pas. Et comptez, on va aller en prochaine arrêt. Enfin, on va essayer. Mais oui, allez, c'est vraiment pas loin. Ou pas. Ah, mais non, je peux pas parce qu'il y a la lave en fait. Donc, c'est impossible de traverser. Donc, c'est officiel, je suis coincé ici jusqu'à ce que le bus vienne me chercher. Parce que, oui, là il y a la lave, donc c'est impossible à traverser. Le seul endroit où c'est pas possible d'y aller, et bah il faut que je me retrouve piégé comme un con à l'intérieur. Putain, je suis vraiment une bite. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais. Allez, recharge-moi ça rapidement. Et vraiment rapidement. Voilà. C'est le bus qui arrive. Oh oui, j'ai du pot. Ah, Gary. Non, mais il faut pas que je déconne là. Non, mais je déconne, mais faut pas que je déconne. Oui, oh le pot. Gary. Ah merde, elle est plus là, c'est vrai. Je suis baisé. Oh, j'ai du pot phénoménal. Hein. Casse-toi, casse-toi. Voilà. Ah, il faudrait que le bus vienne là. Hein. Voilà. C'est pas que les munitions vont manquer, mais. Bah écoutez. Je vais garder que DSR. Et je vais prendre la MP5. C'est pas grave. Vague 11. Attendez juste 2 secondes. Ouais, c'est bon. Oh putain. Eh, je flippe à chaque fois, sérieux. J'aurais dû acheter Quick Revive là-bas, j'étais con.
Putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Mais vraiment dans la merde. Dans la merde bien noire. Putain. Ah non, je suis bloqué. Putain, voilà. Bon, et bah écoutez, 11 manches, je crois qu'on peut se le dire, c'est pas terrible. Et bah ce que je vous propose, c'est une transicuse, ou une transition. Une transition, voilà, tout en douceur, n'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Like a summer here, we built a portal to the nether, lava everywhere, zombie pigs and gas flying all around, so tread with care, best you craft some armor and exchange that for the clothes you wear while you're under here. Lava flowing, those lakes are glowing down below, hey. You should probably go, hey. But you're ready, your arms are steady, grab your bow, hey. Shoot the fatal blow, hey. Run away now cause you missed, you were too slow. Dig in Minecraft style. Bonjour tout le monde. Alors, après cette transition toute en beauté, n'est-ce pas, j'ai décidé de vous reprendre sur un autre mode zombie sur la ferme. Et cette fois-ci que sur la ferme, hein, sans le bus, parce que j'avais un petit peu la flemme de tout recommencer sur le bus. Oulé. J'avais un petit peu la flemme de tout recommencer sur le bus. Oui, désolé, je suis comme ça, mais bon. Comme ça, au moins, ça sera fait au feeling. Donc, je vous reprends sur ce mode zombie sur la ferme. Donc là, j'ai testé la boîte et j'ai eu un petit peu de chance. J'ai eu ma Galil. Hop, voilà. C'est quoi, Mune Max? C'est pas mal. Et la Galil, je l'aime bien, parce que c'était mon arme principale hein, sur Black Ops 1er du nom. Je pense que vous le savez depuis le temps. Je croyais qu'il y en avait qui sortaient, mais non. Hop. Est-ce que si en général, vous savez, je tiens plus longtemps en général sur cette... ça va venir, hein, sur cette map, voilà. Ou hop, purée, ou pas. Que sont les autres charpentus. Allez, tu recharges. Tu tues celui-ci. Hop. Hop. Voilà. Par contre, sans tuer des zombies sans viser. Ah oui, d'accord. Direct. Direct, je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient tous les trois d'un coup là. Ok, je suis un petit peu baisé, vous êtes content? Hein, voilà. Je m'achète tout de suite le Quick Revive parce que je sens que je vais en avoir besoin. On doit être que soir, là, c'est... enfin on est que soir, ça doit être pour ça que je suis nul. Quoique, non, encore, je me débrouille bien, hein. C'est juste que je suis mort comme un con par manque de concentration. Mais sinon, oui, je sais, je fais mon bolos là. C'est pas une bonne idée d'aller à la boîte maintenant. On ira un peu plus tard. Ouais, je sais, je fais mon bolos, mais bon. De toute façon, on peut pas faire sans, hein. Sans fail, ça serait pas drôle. Qu'avec des fails, c'est un peu plus rigolo. Même si je n'en fais pas exprès, évidemment. Hop. Ok, oui. Je rêve où je vais remourir une deuxième fois. Ça va finir par arriver. Hein. C'est souvent ces zombies qui courent en fait, qui lâchent les... Oh, qui lâchent les... qui lâchent ces petits bonus très sympas. Hop. Oh ouais. Oh le pot. Comme dit Alex. Oh le pot. Bon, allez, déconne pas. Ah, la bombe, bon, c'est pas grave. Ah, c'est le comble, ça, avoir un crâne et choper la bombe, là. J'ai amplement assez de pognon pour aller à la boîte et pour acheter Masto. Mais vraiment, faut que j'aille assez rapidement. Masto d'onde du comptoir. Allez, teste ça rapidement. Allez. Sniper. Magali, il est rechargé.
Allez, allez. Oui, j'avais un charpentuse, moi. D'où il court, lui? Agari. Bah, attendez, je suis dans la merde. Quelle vise. Quelle vision nucléaire. Vision, je sais pas si ça se dit. Enfin, oui, ça se dit, mais pas dans ce contexte. Agari. Nicolas, déconne pas. Bon, ça va, j'ai masto et tout ça. Charpentcuise. J'avais pas entendu. Ouais, je me retrouve qu'avec mon petit sniper. Il faut laisser un rempart, là, y a pas le choix. Ouais, c'est bon. Pas besoin de rempart. Je vais quand même voir pour une nouvelle mitraillette, hein. Ouais, je vais quand même voir pour une mitraillette parce que là, avec un sniper à cette manche, ça va être un petit peu chaud. Même si, comme on l'a démontré tout à l'heure, que bah, les snipers, j'aime plutôt bien ça hein, dans le mode zombie. Ce qui est chiant, c'est que même les rampants peuvent monter là à la boîte, là où je suis. Hop, j'essaye. Allez, allez. Oui, allez, on pouvait pas tomber mieux. Je sais pas si ça se dit. Pardon, vous m'excusez, là c'est pas mon écran, c'est juste mon casque qui est à peine mal mis quoi. Hop, hop, hop. Bah j'ai amplement assez de pognon pour m'acheter Coca énergisant. Du cola énergisant, pardon. Hop. Alors l'inconvénient de prendre les maps, voilà, pendant que je tue les rampants là. L'inconvénient de prendre les maps comme ça, c'est qu'on n'a pas accès à certains trucs, du genre le pack-a-punch. Qui vous sert donc à améliorer les armes, hein, je pense que vous le saviez. Voilà, on n'a pas accès à ça, mais c'est pas grave, hein, on va faire sans. Mais bon, c'est toujours bien d'améliorer ses armes, en plus ça nous fait des munes. Si je me mets à tirer comme ça va pas le faire. Hop, non mais faut pas que je me stationne dans le feu. Voilà, ah, le pistolet laser. Alors ce qui est chiant, alors un truc qui se démontre pas par contre, c'est que à chaque fois que j'ai le pistolet laser, je meurs à la manche d'après. Ça m'arrive toujours, à chaque fois j'ai le laser, donc c'est pour moi une arme absolument excellente. Et je meurs toujours. Il est pas mort? Ah oui, avec passe-passe, c'est tout de suite plus confortable. Hein. Hop. Ça part vite, hein, les munitions, par contre. Ça va, j'ai mastodonte. Il faut que je dise masto, hein. J'ai l'habitude de dire mastodonte. Il faut que je dise masto parce que c'est plus rapide. Hop là, ouais. Voilà. Là, dis donc, qui sont assez difficiles quand même. À se demander si j'ai changé la difficulté. Ça, y en a d'autres? Rampant peut-être. Hein. Putain, même pas quoi. Je suis vraiment une bite pour les rampants. Hop. Ouais, mais je rêve. Attendez, dernière tentative. Ouais d'accord, ça l'a tué carrément. Pff, non mais alors là, le boulet par excellence quoi. Mais par excellence, vraiment. Bref, je suis une bite pour faire des rampants. Bon, allez, c'est pas grave. Oui, des singes. Allez, une mitraillette, ça serait vraiment très cool. Allez, allez. Le phal, bon, c'est pas grave. Je l'aime bien le phal. Même si c'est un fusil d'assaut. C'est un fusil d'assaut d'ailleurs.
Je sais plus, en bref, il tire au coup par coup. Ah oui. Putain. Oh le pot. Heureusement que j'avais Masto. Attendez, si je meurs là. Ah, il faut viser dans la tête là. Hein. Hop là. Voilà, voilà. Ah, j'arrive pas à avancer. Voilà. C'est bon, ça va, Nicolas. Déconne pas. Oh putain, je suis dans la merde. Enfin, c'est pas grave, dans l'extrême urgence, j'ai un laser. Oh oui. Ils sont où, ils sont où? Désolé, j'ai tiré, mais là je pouvais rien faire. Ah, ils sont tous rassemblés sur moi, c'est vraiment un fan club. Ah, ce sont les abonnés qui sont en face de moi. Attends, je rêve, je lui ai planté le couteau, ça l'a pas tué il y a quelques secondes. Tire en pan. Oui. Ah, bien fait le rampant en plus. Et pour une fois, c'est pas ironique. Je pense pas grave, écoutez. Voilà, un rampant, c'est parfait. Allez, on va aller chercher ça. Désolé, hein, je parle vraiment pas beaucoup, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est commenté en live et je dis ce que je veux. Sauf du mag des abonnés, évidemment. C'est quoi? Bon, ça m'intéresse pas. Allez. J'ai flippé. Bon, tu viens le rampant là? Parce que j'aimerais pas que tu me fasses chier pour la boîte en fait. Parce que c'est pas que j'ai besoin d'une boîte, mais avec le fag et surtout 63 de mun, ça va vraiment, vraiment pas le faire. Il faut pas que tu meurs. Allez, allez. Tu peux y aller. Allez. Non, putain. Il me persécute. Allez, on va le faire venir ici. Ramène ta fraise, tu te dépêches. T'as plus de force, ma petite, hein. Hein, t'as plus de force. Allez. On tire sur les bras. Non, je déconne. Bon, allez. Allez. Quand même tard, ça va aller. Ça. Ah oui. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de survivre avec la MTAR. Dans le pire des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un laser. Donc je me répète, hein, ça c'est un très gros défaut que j'ai. Allez. Manche 11. Faut pas que je meure à cette manche. Hein. Bon, au pire, la MTAR, je l'aime pas trop mal. Hein. Je l'aime pas trop mal, c'est pas du tout français comme phrase. Oh, mais je vous fais chier avec mon français. Hein. Je fais chier, on en a rien à foutre que ce soit français. Hein. C'est vrai. Oh putain. Non. Putain. Oh, j'ai du pot là. Oh, le pot que j'ai eu, c'est pas possible. Ouais, il faut avoir le réflexe de switcher au laser comme ça quand. Quand vous avez failli, quand vous faillissez vous faire tuer. Oui, oui, j'invente des mots, vous voyez. J'invente de nouveaux mots. Quand vous faillissez vous faire tuer. Voilà, bon, vous m'avez compris de toute façon. Quand vous venez de manquer de vous faire tuer, voilà. Switcher sur le laser, c'est toujours bien. Oula. Sans avoir des putains de zombies hitmarkers. Qui, je rappelle, ont été intégrés dans Black Ops 2, hein. Petit rampant.
Et il n'y en avait aucun, évidemment. Ouais, histoire de bien me faire chier. Allez. Il peut servir soit de fusil à pompe, soit de... il peut servir soit de fusil d'assaut, soit de mitraillette, c'est même tard. Hein. C'est au choix. Oh yeah. Et de deux en plus, ok. Non mais, je tire dessus. Non mais c'est pas vrai. Putain, je suis vraiment une bite là-dessus. Ah non mais les gars, si je tue mon deuxième rampant, là, on pourra vraiment dire que je suis vraiment débile. Mon écran a failli s'éteindre, j'ai l'impression. Voilà. Toi, tu bouges pas. Je vais rapidos à la boîte. Bon, bah écoutez, je me débrouille pour l'instant. C'est pas comme si j'avais 12 000 de crédit, mais quand même. De crédit, d'argent. Type 25. Allez. Et bah, on va y aller. Allez, au couteau, parce que j'ai pas envie de gâcher mes munes. C'est vrai, il ne suffirait que d'une munition pour le tuer. Surtout avec la type 25 qui, je rappelle, est très puissante. Ça rappelle un petit peu la type 95 d'MW3 qui était extrêmement puissante et qui était limite cheatée. Hop, spawn kill, oui je sais. Hop. C'est pas le moment de rebâtir les obstacles. Allez, faut pas que je déconne. Bon, ça va, j'ai un quick revive, etc. Vous êtes tous les petits. Tu peux recharger, hein, c'est pas interdit. Hop. Oh putain. Oh putain. Oh, j'ai pas mal de pots là pendant cette partie. Oh, quelle malchance. Yo. Ils deviennent résistants, n'est-ce pas? Ce sont les frères d'Hitler. C'est quoi? J'ai peur que ce soit une arme de merde que je déteste, donc je vais la fermer. Plutôt pas la prendre. Je sens que je vais me faire tuer. C'est pas grave. Voilà. Heureusement que j'avais mastodonte. Hein. Ah, il faut un rampant là. Attends, j'en ai pas fait un quoi. Allez, venez vous faire ramponner. Y'en a pas un? Ah si, quand même. Ouais, deux rampants, impeccable. Allez. Allez, faut juste pas qu'ils viennent me faire chier pour la boîte. Parce que... Allez. Je sais pas ce que c'est. Allez, on va faire avec ça. Je reteste une dernière fois. Puis si j'ai pas bien. Oula. Le phare, je ne le prends pas. Allez. Ah oui, ça tient vraiment 3 coups par 3 coups. Hein. Allez, faut pas que je meure. Oula. Heureusement que j'ai pensé à recharger celui-ci. Bon. Eh bah écoutez, j'assure plutôt bien. Lors de ma dernière vidéo, je suis mort à la manche 13, hein, je m'en souviens. Non, je vais mourir maintenant, là c'est sûr. Par contre, elle est pas puissante, hein, cette arme. C'est à ce moment-là, en fait, que le arme et tout ça, la hamre, je crois, je s'appelle comme ça, un truc comme ça, où la RPD serait très efficace. Hop, faut tirer dans la tête avec ces... Putain, ouais, les contournements total. Hop là. Désolé. Au pire, j'ai des singes, hein, si jamais.
C'est mieux que d'utiliser ce laser qui est si précieux. Attendez, y a un problème, y a un problème. Non, putain. Ah, désolé, j'ai dit putain avant de mourir. Oh, oh putain. Bon, c'est pas grave. Singe. Casse-toi, putain. Oh, le pot que j'ai eu là. Non, putain, c'est pas vrai. Ah, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là, j'étais déconcentré par le fait que je sois mort. Bon, j'ai fait un petit peu le con, c'est pas grave. Bon, et ben en tout cas, j'espère que cette petite vidéo zombie vous aura plu pour Noël. Bon, c'est pas très original, mais au moins, ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé de zombie. Et, je l'ai pas fait en me forçant, hein, parce que moi aussi, ça me fait du bien, mon petit zombie, de temps en temps. Même si j'en fais hors caméra, hein, c'est vrai. Et je suis persuadé donc que ça n'aura pas été ennuyeux, hein, comme je viens de le dire. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Un petit like et un commentaire sont toujours les bienvenus. Allez, salut tout le monde. That ring, you lost that right to hold that.